On a Nini qui m'a fait peur parce que j'ai entendu un bruit de plastique. T'es venu faire dodo sous la couette. Alors Nini, en gros il a touché ça là. J'ai un emballage plastique pour ma perruque et je commence à entendre ça là. Et là je vois sa petite patte. Tu dis bonjour à la communauté. Tu fais peur. Hey. Je me suis dit, j'ai trop moyen de faire une super transition avec le plan que j'ai fait à l'ancien appart il y a genre un mois. Pourquoi j'ai du mal à me baisser? Simplement parce que je me suis fait je sais pas en fait, je sais pas ce que j'ai. À mon cours de danse, parce que pour ceux qui me suivent du coup je fais de la danse K-pop, et en fait je me suis tendu le pied, mais de manière très sale. Et attendez, c'est sombre. Du coup, visiter en même temps, même si j'ai fait des petits plans au tout début quand on a emménagé. Donc ça, c'est le couloir avec des meubles. Enfin bref, les toilettes, ce que c'est très intéressant. La cocina, voilà, comme ceci, moignée, la salle de bain. Il y a un peu de bordel un peu partout, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, je me suis tordu le pied à la danse. Je sais pas ce que j'ai. J'ai fait une radio ce matin, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est samedi 13. Novembre, on a échappé au vendredi 13, lol. C'est le bull dans ma chambre, donc no judgment. Donc, Chili, que vous connaissez bien. Petit plouf, qui est un peu vert. Là-bas, il y a Marquis qui dort, qui dit que j'ai laissé s'incruster dans ma chambre parce qu'il fait du. Donc, vous voyez, ça, c'est ma rengaine depuis une semaine. Du linge à ranger, du linge à mettre au sale. Alors, juste petit point. Cette table, c'est mon coin création, mon coin dessin que j'ai enfin pu vraiment mettre en place. Donc, j'ai une chaise pour cet espace-là. J'ai encore jamais utilisé ce bureau. Est-ce que c'est vraiment obligé de dire pourquoi j'ai jamais pu l'utiliser? Ça, c'est une table qui était à ma grand-mère. Donc, j'ai dit c'est mort, on la garde et tout. Enfin, laissez tomber, on la garde. Lui, il est toujours là, bien évidemment. Petit coin dressing. Dites-vous que ici, dans ma chambre, ça a déjà changé 3 fois de place. Enfin, 3 ou 4 fois d'emplacement. Mais ici, du coup, donc tout ce qui est dans ces bacs que vous avez peut-être pu voir dans les rushs que j'ai pris pendant le déménagement, je veux mettre une bibliothèque. Donc imaginez une bibliothèque ici. Et là, ça va rester comme ça, à moins que je change de lingère. Ma petite cheminée. Les murs sont vides parce que je sais pas encore comment je vais aménager. En fait, j'aimerais bien avoir tous mes meubles tranquilles. Là, pareil, je vais mettre une autre bibliothèque, genre la même. Du coup, ça veut dire que quand on prendra du recul, il y aura un raccord ici. J'ai un peu le seum que la cheminée soit pas vraiment au centre de la pièce, surtout que ben voilà, il y a ça quoi. Genre, pourquoi vous l'êtes pas mise au milieu, les architectes là? Mon lit, petit Marquis. Marquis, dis bonjour à la communauté. Ninou. Laisse-moi tranquille. Oh, mignon. Petit plouf, faut vraiment que je nettoie, mais en fait, mon pied, les gens, je sais pas trop ce que j'ai. C'est le pied gauche et c'est chiant parce que du coup, mon médecin m'a prescrit une chevillère. Donc, bah, ici, le setup que je suis en train de refaire parce que c'est vraiment le sbeul, c'est horrible. J'ai aucune honte à vous montrer ça. Je suis en train de le refaire parce que, comme vous le voyez, les cartes de Clo, elles sont toujours là-bas. Parce que ça a été décalé. Parce que j'avais envie de mettre mon lit ici. Donc, j'ai décalé. Pour quand même avoir accès à une prise. Oh, Yunjin. Je ne sais pas si on te voit derrière, mais il est très beau. Yunjin de Stray Kids. Vous pouvez vous rendre compte. Il suffit d'aller voir vraiment mes autres vidéos. Même quand je suis en face cam, ça se voit que ma chambre, elle est plus petite. Genre, même je sais que le plan là, où on me voit faire la mongole là devant l'écran, ça se voit que ma chambre, elle est minuscule. Et ici, déjà, je peux faire ça. En fait, c'est dire à quel point je peux avoir un espace dodo, un espace dressing, un espace dessin et mon bureau où je peux vraiment m'étaler du coup.
et ne toujours pas être organisée. Mais du coup, c'est vous dire à quel point, genre, j'ai de la place. Du coup, je suis trop contente. Et du coup, pour vous remontrer, on va dire, le salon, maintenant qu'il est... Oh, je boite, c'est vrai. Du coup, il est un peu vide quand même, hein. Mais voilà, le salon. Le salon, donc ça, c'est la porte de ma chambre qu'on entend là-bas, il y a la musique. Et vous voyez, en fait, on a vraiment une porte pour accéder au salon par ici, le couloir. Il y a une porte là-bas, là, il y a une porte qui n'existe pas. Le petit minuit que j'ai séparé de son frère parce qu'il foutait le zbeul. Say hello to the community. Community, plutôt. Bref, donc, vous voyez, c'est encore un peu vide. Et donc, l'entrée, les cartons du déménagement qui sont toujours là. Il y a un meuble qui doit arriver ici, incessamment sous peu. Et donc, ici, on a moyen de fermer, en fait, de faire vraiment un couloir, une entrée, et puis, le salon, quoi. Oh, wow. Il dort tellement bien, il est dans les bras de Morphée, c'est un truc de ouf. Mais donc, voilà, les gens, juste pour vous dire, mes voisins, ils doivent me voir en mode, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait un vlog dans son salon? Parce que je suis une influenceuse, tu connais. En fait, le seul petit truc stylé, c'est lui, là. Donc, pour ceux qui connaissent, hein, Gossip Girl, c'est un tableau que j'ai offert à ma sœur quand elle était dans son premier appart avec... avec une pote à elle. Elles sont plus amies depuis, hein. Les gens, si j'ai un conseil que je peux vous donner, faites des colocs avec soit votre frère ou votre sœur, ou allez tout seul. Parce que, en fait, je pense qu'il y a des potes avec qui ça peut marcher, mais genre, sans rentrer dans les détails, faites une coloc avec des gens avec qui vous êtes sûr que au moins un an, ça se passera bien. Parce que si, au bout de même pas 4 mois, vous voyez ce que je veux dire, ça part en steak, c'est pas ouf. Genre, vraiment, c'est atroce à vivre. Donc, je vais poser la caméra, je pense. Je vais ranger d'abord mon bureau. Je reviens après. Et puis voilà. Et on voit comment je... On voit ce que j'en fais de cette vidéo. Comment je la clôture. Est-ce que j'ajoute des choses, ce genre de truc. Voilà, voilà. Bon. On va dire que c'est bon. Si mon téléphone sonne maintenant, parce que j'ai un pote qui doit arriver, j'aurai un peu le seum. Update. Je rebaisse le son. Donc, petit room tour, les news, donc les enfants, je me suis niqué le pied à la danse, à mon cours de danse de K-pop, en faisant de la merde en plus. Mais de toute façon, toutes les blessures sont bêtes, enfin, il n'y a pas d'accident intelligent, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'a marqué. Du coup, j'ai le seum parce que mon premier tournage risque d'être remplacé fortement. Je vous avoue que je suis genre là depuis une semaine, je suis enfin vraiment, genre vraiment un coup ça va, un coup ça va pas. Pour ce qui en est de ma formation d'animation là, dont je vous parle depuis quasiment que ça a commencé, lol. Et d'ailleurs l'élément qui a fait que parfois j'étais en pause sur ma chaîne, genre pendant 15 jours, pendant un mois, pendant une semaine, est-ce que je vais revenir sur YouTube, nanana, ça a beaucoup joué. C'était un pur plaisir quand ça a commencé, enfin. Vous voyez, ça, c'est ce qui arrive depuis plusieurs fois déjà. Mais j'ai renforcé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est un fond noir? Ah, c'est une playlist de Chase Atlantic. Si ça tombe, je pète un plomb. En fait, je peux pas vous dire si je l'ai eu ou pas, parce que on va dire qu'il s'est passé un truc, je suis en mode... Je comprends pas. On va dire que je suis troublée, parce qu'en fait... je sais pas comment dire. Je pense savoir si je l'ai eu ou pas, si je l'ai validé ou pas. Et en même temps, je ne sais pas parce que j'ai toujours pas eu les résultats. Et je vous dis ça, j'ai passé l'examen mardi à 14h30. Et on est, donc au moment où je tourne cette vidéo, on est samedi. Donc c'est un BPJEPS. Je vous laisserai les regarder ce que c'est sur internet. Peut-être que ça peut même intéresser des gens. Je vous préviens tout de suite si vous n'avez pas de financement. Économiser maintenant peut-être. C'est une formation qui est hyper intéressante. Genre moi j'ai kiffé mon organisme, j'ai kiffé les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai kiffé les gens que j'ai rencontrés. Enfin j'ai appris plein de choses sur le métier d'animateur, mais aussi sur... pour moi en tant que personne ça m'a servi de ouf. Et en fait j'arrive à un stade où j'ai plus aucun plaisir à faire les dossiers. Enfin c'est horrible. J'ai pas de diplôme en fait. Là j'ai pas du coup... Oui et non, j'ai maintenant mon certificat d'hygiène et salubrité pour le tatouage. Mais c'est pas pareil, ça n'a rien à voir avec... genre je l'ai fait, j'ai suivi la formation et tout. Mais ce que je veux dire c'est que c'est tellement de l'information que après en tant que professionnel t'es censé mettre en place dans ton salon pour pouvoir tatouer ou percer légalement, que a priori t'es sûr de l'avoir. C'est vraiment genre on vous donne l'information, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez... En fait c'est... En gros vous pourrez pas dire que vous saviez pas. Donc si jamais il y a un contrôle ou que tu fais de la merde ou que t'as des problèmes après en tant que professionnel dans le tatou ou le piercing, enfin... Ben t'as la formation, donc tu es censé savoir ce que c'est. Et même si t'as pas la formation, t'es pas censé tatouer si tu n'as pas cette formation.
tout simplement parce que c'est illégal. Là, le truc, c'est que de la même manière que nous, on nous donne des infos sur la législation, nanana, bah dans l'animation, c'est pareil. Maintenant, on vous apprend aussi vraiment à savoir vous remettre en question, prendre du recul en tant qu'animateur. On vous fait, il y a un stage de direction aussi qui est mis en place qu'on doit faire dans notre structure. Enfin, je vais pas vous réexpliquer toute la formation, vous avez suffisamment d'informations sur internet. Mais du coup, en fait, si vous voulez, les gens, c'est que ce qui m'agace, c'est que ça fait depuis 2018 que je suis dans ce cycle de formation. Et en fait, je ne comprends pas. Enfin, j'ai compris la première fois pourquoi je ne l'ai pas eu. Il y a une certification initiale et après, il y a un rattrapage. Si tu l'as pas au rattrapage, tu dois refaire un projet, tu dois refaire des dossiers, machin, etc. Pour que ça vous parle peut-être plus. C'est comme si vous aviez la date d'examen du bac. Si vous n'avez pas votre bac, vous allez au rattrapage pour ce que vous n'avez pas validé. Mais si vous n'avez pas validé au rattrapage, et ben vous devez, c'est comme si vous deviez refaire une partie de votre scolarité pour repasser le bac comme si c'était la première fois. Sauf que le jury que tu vas avoir en face de toi, parce que moi c'est un jury, je parle pendant 20 minutes, ensuite il y a 20 minutes de questions. Au préalable, j'ai fait un dossier que j'ai construit, sur lequel j'étais accompagnée par des professionnels, par un formateur, par mon tuteur. Ma famille également, la famille a le droit de relire vos dossiers, enfin bref. Et le truc, c'est que il s'est passé donc tout ça depuis 2018 et la première certif elle était en décembre 2019. Je ne l'ai pas eu. Il y en a deux que j'ai pas eu. Ce qu'on appelle le projet d'animation et la direction. Mais donc il y a eu le Covid, il y a eu le décès de ma grand-mère, il y a eu moi tout simplement qui suis pas forcément soit organisée ou alors qui a réussi à m'organiser mais qui du coup était plus dans le truc parce que j'étais en arrêt, on a été confinés. On travaille à distance avec les collègues. Après, en juin, j'ai fait les rattrapages. J'ai appris que je les avais pas, les deux que je devais rattraper le même jour. Là, c'était la descente aux enfers. Et si je devais vraiment... Enfin, si je dois être honnête, si ça ne tenait qu'à moi, il y a longtemps que j'aurais arrêté. En gros, depuis juin 2020, je pense que j'aurais arrêté. Je voulais partir de la ville où je suis actuellement. J'avais envie de me rapprocher juste de ma famille. Et j'en avais juste marre, en fait. J'en avais marre parce que ben, je vois pas le bout. Et donc du coup, si la réponse que j'attends n'est pas celle espérée pour cette certif, sachant qu'il m'en reste une autre en avril 2022, je sais pas. C'est déjà pas ouf dans ma tête et du coup, je vous avoue que j'essaie de pas J'essaie de me dire, tu sais quoi, c'est pas grave, tu vas continuer et puis comme ma mère me l'a dit tout à l'heure, on trouvera une solution, on trouve toujours des solutions. Mais ma mère et moi, on est un peu pareil là-dessus, on est très superstitieuses et du coup on a trop ce truc de, quand il y a plein de bonnes nouvelles d'un coup, ce qui s'est passé là récemment, j'ai trouvé un boulot, on a eu des soucis avec l'administration française sur des aides financières, ça s'est plus ou moins réglé, la danse qui reprend, enfin tu sais la rentrée il se passe plein de choses, l'appartement, enfin plein de petits changements qui fait que ça peut aller et du coup ma mère et moi on a trop ce truc de ça va trop bien, il va y avoir une couille. Et voilà les gens vont dire ouais faut pas être superstitieux machin et tout mais je pense aussi que du coup quand on raisonne comme ça dès qu'il va y avoir un truc on se dit ouais c'est bon. Sauf que là le fait est que je me suis niqué le pied. Le fait que je me sois niqué le pied fait que je ne vais sûrement pas pouvoir faire mon premier tournage. Je sais pas encore combien de temps je vais être en arrêt. Je ne suis pas au boulot alors que je kiffe mon taf et je kiffe le gars avec qui je travaille. On s'entend de ouf, on se tape des barres. Même si ça peut être fatigant, c'est un travail qui est hyper stimulant et ça faisait plusieurs mois que j'avais pas travaillé donc du coup j'ai un peu le seum. Moi je suis quand même allée à mon examen mardi. Mon collègue le savait parce que j'ai dit au moins si je peux torcher ça et après me reposer parce que faut pas que j'abîme mon pied plus que ce qui peut l'être déjà, au moins c'est fait tu vois. Et en plus de ça, de tout ce contexte là, ça se trouve j'ai pas validé mon truc. Du coup je vous avoue là je suis un peu en mode j'ai le seum, du coup j'ai un pote qui arrive tout à l'heure, j'ai hâte de le voir parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça va me faire du bien. Donc voilà les gens, ce qu'il en est. Update, petit room tour, tout ça. Enfin, petit house tour, comme on dit. Donc moi, je vais vous laisser. De toute façon, je suis au retour. Je vais faire en sorte de continuer. Moi, c'est une semaine qui m'a permis de prendre aussi un peu de temps pour moi, l'air de rien, même si chaque déplacement est un véritable supplice. Les gens, je vous fais de gros ploutous baveux. Oh, ça faisait longtemps que je vous avais pas dit ça. Et puis, je vous dis à dimanche prochain.